savez qu'il n'y a pas de match, hein, écoute. Le Chelsea n'est plus le Chelsea d'avant, hein, vous savez. On fait confiance à Chelsea. Même si Drogba n'est pas dans Chelsea, mais qu'on fait confiance à Chelsea quand même. Ils vont gagner Barcelone. C'est une rencontre un peu avantageuse pour le Barça. Parce que vu la performance de Chelsea, on les voit mal battre le Barça. Le Barça est favori par rapport à ce match-là, compte tenu de leur dernière performance, du classement même de Chelsea en championnat. Je ne pense pas, je suis sûr que le Barça va gagner. Ils ont tous les atouts. Ils ont le meilleur joueur du monde, ils ont Messi, donc il n'y a pas le feu. Abidjan, on aime bien jouer au football, on est fort. Donc tu as l'esprit barcelonais. Donc c'est même pas un match à qualifier. Ils vont être privés de ballon. Hazard, il ne joue pas. Bon, Chelsea, Barcelone. Nous tous, on aime Chelsea à cause de Didier Drogba. Voilà. Mais Chelsea, actuellement, ils sont en baisse de forme. Il faut reconnaître dans le championnat, ils sont en baisse de forme. Je pense que, bon, le Barça est plus en forme que voilà, l'équipe de Chelsea. Chelsea n'est pas en forme. En championnat comme en Champions League, ils ne sont pas en forme. Et même s'ils sont en forme devant Barcelone, ils ne pourront rien faire. Ça, c'est sûr. Voilà. Je pense que le Barça est bien parti pour gagner. Voilà. Parce que l'équipe de Chelsea actuellement en baisse. Barcelone, si vraiment Chelsea dit que c'est une équipe qu'il marque au moins 2 buts, sinon 1 but. Mais nous, on fait 6 quand on est chez nous. Et Barcelone n'est pas favori. Barcelone va gagner aller-retour. Ça, il n'y a rien à dire. Mais Chelsea-Barça, c'est toujours du 50-50. Voilà, je ne suis pas Chelsea, je ne suis pas Barça. Moi, je suis plutôt Real. Mais je pense que là, c'est 50-50. Moi, je vois que le Barça va l'emporter. Le Barça va se qualifier. Aujourd'hui, Chelsea joue son Vatou en Ligue des Champions. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est du 50-50. Voilà. Je pense que le Barça est bien parti pour gagner ce match-là. Le concept de bête noire, c'est relatif. Parce que aujourd'hui le Barça, les Baïgons aussi, hein, ça a bien fait les choses. Sinon, le match sera plus ou moins serré. Mais comme on a l'habitude de voir, le Barça s'en sort très souvent. Barcelone pas favori, Barcelone va gagner aller-retour. Ça, je vous le garantis. Voilà. Match Barcelone-Chelsea, là, ils vont taper Barcelone. 2-0. Je pense qu'au match aller, le Barça va l'emporter par le score de 2-0. Et retour, ils vont faire le break, ça dit 3-0. Et vraiment, ce n'est pas Chelsea qui peut nous tenir en échec. Vraiment. 2-0 à l'aller, 3-0 au retour. 2-0, comme tu l'as dit. En Angleterre, tu as dit 3-0, petit, toi aussi. Il faut sciencer. C'est 6 qu'on est chez nous, là, c'est 6. On ne peut pas déjà dire que le Real, c'est le Barça va se qualifier. On ne peut pas dire que Chelsea va se qualifier. Voilà. Des fois, c'est juste les détails. Voilà, ça c'est juste le détail. Oui, des fois c'est juste, on a vu plusieurs fois les confrontations. Hein. Voilà, des fois même Chelsea va faire des résultats au Camp Nou. D'accord, donc je pense que c'est du 50-50. Et la dernière présentation même du Barça, ils ont fait 0-0. Donc ça dit qu'il y a des équipes qui peuvent les accrocher. Avec toutes les stars, Coutinho, Messi, Suarez, il y a des équipes qui peuvent les accrocher. 3-1 de Barcelone.